Bonjour à tous, bienvenue dans le Stratioticon. Le Stratioticon. Ouais. L'endroit où les Grecs réunissent leurs stratèges. Parce que dans cette émission, on va pas se prendre pour de la merde. Dans cette émission, nous parlerons de géopolitique. Mais qu'est-ce que la géopolitique? Pourquoi la trouve-t-on dans la bouche de tous les journalistes du monde, à la moindre occasion, pour un oui ou pour un non? Eh bien, c'est tout simplement une science qui tente d'expliquer les tenants et les aboutissants d'un conflit. Ce conflit peut être politique, et l'on parle alors de géopolitique, économique, et l'on parle alors de géoéconomie, ou stratégique et militaire, et l'on parle alors de géostratégie. Ouais, mais en fait, tout ça, bah, c'est un peu la même chose, tu vois. Parce que tu prends une carte, comme ça, une carte. Tu vois ma carte, là? Voilà, bah, c'est une carte. Hein. Tu fais des traits, des points, des trucs, comme ça, pour présenter des forces, des dynamiques, des machins qui bougent et tout, et t'es déjà en train de faire un géotruc. Au pire, tu fais de la géographie. Alors pourquoi faire de la géopolitique aujourd'hui? Eh bien parce que notre monde apparaît de plus en plus complexe. Depuis la chute du mur de Berlin, notre planète, autrefois bipolaire, c'est-à-dire organisée autour de deux pôles, l'URSS d'un côté et les États-Unis de l'autre, s'est trouvée fractionnée en une multiplicité de pôles, aux forces inégales, qui se livrent à une lutte d'influence les uns contre les autres, coopèrent et parfois s'affrontent dans le cadre de conflits armés. Non mais enfin, ça, franchement, ils auraient pu s'y attendre quand même. Hein, parce que casser les cloisons, là, comme ça, dans tous les sens, là, les avoir fait une espèce de grand laf mondial, là, c'est jamais une bonne idée. La colocation, ça finit toujours mal. À cela, ça ajoute l'apparition de nouveaux acteurs qui se mêlent à la scène internationale. Aux traditionnels États, se sont ajoutés des entreprises, des ONG, des groupes de pression, ainsi que, bien entendu, de grands cartels criminels, et, depuis les années 2000, des groupes terroristes, tels qu'Al-Qaïda, ou, plus récemment, l'État islamique en Irak et au Levant. Non, puis alors en plus, il y en a qui tapent l'incruste pour profiter du canap, quoi, non, ça. Face à ces bouleversements, nous avons plus que jamais soif de comprendre le monde qui nous entoure. Pour nos dirigeants, c'est une nécessité à caractère politique, afin de pouvoir prendre les décisions les plus pertinentes, ou pas, pour pouvoir défendre les intérêts de leur nation. Ou de leur propre gueule. À travers l'étude de la géographie des États et de leurs décisions politiques, la géopolitique, de leur stratégie économique, la géoéconomie, et de leur déploiement stratégique et militaire, la géostratégie, ainsi que de nombreuses autres disciplines, comme par exemple l'histoire, la géopolitique tente d'expliquer les causes, les enjeux, et le déroulement, ainsi que les conséquences, des nombreux conflits qui parsèment le monde. Et oui, parce que le premier truc qu'on a appris à faire, nous les humains, bah, c'est se foutre sur la gueule. Du coup, au 19e siècle, on s'est dit qu'il était peut-être temps qu'on invente une science pour comprendre pourquoi. Aujourd'hui, la géopolitique est une science neutre. Depuis la seconde partie du XXe siècle, elle s'attache à l'étude des faits, propose une analyse, et parfois se hasarde à prolonger les courbes en émettant des pronostics quant au développement de la situation. Mais ces analyses se font rarement à long terme, car rien n'est plus idiot que de prolonger une courbe. Pourtant, il n'a pas toujours été ainsi. La géopolitique existe depuis toujours dans l'histoire des hommes. Et l'un des plus célèbres ouvrages de géopolitique, Le Prince de Machiavel, précède de plus d'un siècle l'apparition du terme dans la littérature politique. Si vous avez lu Le Prince, vous comprendrez pourquoi, au terme de cette émission, il s'agit bel et bien d'un ouvrage de géopolitique. Et si vous ne l'avez pas lu, eh ben... faut le lire. C'est tout. Aujourd'hui, on considère néanmoins que le père de cette science est un Allemand, Friedrich Ratzel. Bien entendu, d'autres auteurs, à la même époque, ont développé une analyse géopolitique de cette période. Par exemple, Friedrich List. Mais on ne mettait pas encore alors de nom générique qui puisse chapeauter toutes ces études. Au 19e siècle, Friedrich Ratzel publie donc un livre. Politische Geographie oder die Geographie der Staaten, der Werke und der Kriege. Ça, c'était de l'allemand. Lamentable. Oui, je sais. Mais de l'allemand quand même. En français, son titre est explicite. Géographie politique, ou la géographie des États, des transports et de la guerre. Ce premier ouvrage analyse le comportement des États en vertu d'un adage hérité de Napoléon. Tout État a la diplomatie que lui impose son territoire. Pour Ratzel, les États se comportent donc comme des êtres vivants. Ils naissent, grandissent, connaissent une apogée de leurs frontières, puis déclinent et meurent. Une conception un peu limitée de ce qui fait un État, dans laquelle on retrouve néanmoins une doctrine scientifique très populaire à l'époque, le darwinisme. Why? Because Darwin is everywhere. Pour Ratzel, seuls les États les plus forts survivent. Il en découle donc que pour sa survie, un État doit concevoir ses relations internationales comme une lutte permanente pour la suprématie.
faute de quoi il sera écrasé par ses voisins et mourra. Après Ratzel, la géopolitique revêt une logique fortement militariste et nationaliste. Dans de nombreux pays, des penseurs militaires et universitaires vont chercher à élaborer une doctrine géopolitique nationale, et de nombreuses écoles vont ainsi émerger. Dans le courant du 19e siècle, la plus influente de ces écoles n'est autre que l'école allemande, une école dont Ratzel n'est que l'un des noms les plus connus. Il théorise ainsi les principaux fondements du pan-germanisme et invente le terme de Lebensraum, ou espace vital, un terme qui nous renvoie au moment les plus sombres de notre histoire. Il s'agit en fait de l'espace vital que l'Allemagne se doit de conquérir si elle veut survivre à ses voisins européens. La Première Guerre mondiale est déjà en germe. Pour autant, n'allez pas croire que je me ferais l'apôtre des rédacteurs du traité de Versailles en 1919 et déclarerais que le pan-germanisme était la seule cause du premier conflit mondial. L'histoire est écrite par les vainqueurs. Mais parallèlement à l'école allemande, les Anglais et les Américains vont développer leur propre thèse géopolitique. Ainsi, les Anglais vont-ils développer une idéologie du Sea Power, le pouvoir des mers, et ils vont très largement s'y tenir pendant toutes les années d'avant-guerre. Cette doctrine, développée par Sir Walter Raleigh, entend expliquer que les mers sont au cœur de la domination mondiale. Ainsi, pour Raleigh, qui contrôle les mers contrôle le commerce, qui contrôle le commerce contrôle la richesse du monde, et par extension, le monde entier. Et ouais, limite les Anglais, en fait, tu vois, c'était des connards. Tu sais pourquoi? Parce que les Allemands, eh ben, ils se seraient contentés de l'Europe, ça leur aurait suffi, c'était bon. Voilà. Mais les Anglais, eux, il leur faut toute la planète. C'est entre autres cette construction de l'esprit qui conduit les Anglais à traquer continuellement de nouveaux marchés, à chercher de nouveaux droits d'acquisition dans la construction de voies ferrées, et ainsi à multiplier les points de friction et de conflictualité avec l'Allemagne. Dans Histoire du XXe siècle, Serge Bernstein et Pierre Milza, citant par là la Saturday Review du 11 septembre 1897, décrivent ainsi le contexte mondial d'avant-guerre. Au Transvaal, au Cap, dans l'Inde et en Orient, dans les îles des mers du Sud, dans le lointain Nord-Ouest, partout, le commis voyageur allemand est en lutte avec le colporteur anglais. Ajoutez à cela une bonne dose de nationalisme français, anglais, allemand, italien et russe. Saupoudrez le tout d'innovations techniques rapides dans le domaine de l'armement et vous obtenez l'un des plus grands conflits que le monde ait jamais connu. Non, vraiment, hein. À l'époque, ils avaient vraiment une furieuse envie de tous se foutre joyeusement sur la gueule. Naturellement, la Première Guerre mondiale marque les esprits. Les millions de morts des tranchées, les gueules cassées, l'utilisation massive des gaz vont conduire les géopolitologues à mettre des gants et à chercher davantage la coexistence et le dialogue, sans pour autant abandonner leur rêve de domination mondiale. Faut pas pousser non plus. Karl Haushofer succède à Ratzel et suggère que le monde peut être partagé en zones d'influence entre les grandes puissances. Ah ouais. Sandek. Bien qu'il ne soit pas nazi, l'un des élèves de Haushofer, Rudolf Hess, Haushofer, hein. Non parce que Hess il est nazi, nazi et bien nazi, devient l'un des plus proches conseillers d'Hitler, et Haushofer suggère le partage du monde entre quatre zones d'influence. Une zone sous contrôle allemand, une zone sous contrôle américain, et deux zones supplémentaires, une sous contrôle russe et l'autre sous contrôle japonais. Donc, faut quand même buter les Anglais. Parce que c'est des connards. Haushofer défend ses thèses à travers une revue, sobrement baptisée Die Geopolitica, la géopolitique. Comme ça. C'est tout. Et s'il a abandonné ses rêves de domination mondiale, il reste néanmoins un fervent disciple de Friedrich Ratzel. L'Allemagne nazie se gargarise alors d'avoir inventé sa propre science, la géopolitique. Mais après la guerre, Haushofer supporte mal la pression que les alliés mettent sur ses épaules en lui faisant porter une grande partie de la responsabilité du conflit. Il se suicidera en 1946. Du côté anglo-américain, ce sont deux hommes, Nicholas Pikeman et Alfred Mackinder, qui vont développer une thèse géopolitique qui reste d'actualité aujourd'hui. Mackinder, anglais, développe la théorie du Heartland, le cœur du monde. Il a divisé le monde en îles. Une île-monde, qui regroupe l'Eurasie et l'Afrique, et des îles périphériques, l'Océanie, l'Antarctique, les Amériques. Selon lui, pour contrôler le monde, il suffit simplement de contrôler un territoire, qu'il a délimité en utilisant les itinéraires empruntés par les grands migrateurs barbares de l'Antiquité, ou par la horde d'or de Genghis Khan au Moyen-Âge. Ce Heartland est ainsi le pivot stratégique du monde. Il s'étend de la Prusse orientale jusqu'à l'Oural. N'allez pas y chercher un facteur de domination politique ou économique. Le Heartland est uniquement un espace géographique. Il s'agit en fait d'un territoire à partir duquel les armées pourraient partir pour aller jusqu'aux quatre coins de l'île-monde avec un minimum d'obstacles géographiques. Contrôler le Heartland, c'est donc s'assurer de pouvoir attaquer n'importe qui, de Séoul à Brest et de Mourmansk jusqu'au Cap. Bon, en fait, l'Afrique, ça fait pas vraiment partie de l'île-monde.
pour Mackinder, si tu occupes l'île Monde, t'as un tel ascendant sur l'Afrique que c'est comme si c'était à toi. Puis de toute façon, on va pas s'occuper des problèmes des Noirs. Il manquerait plus que ça. Mais cette théorie présente un certain nombre de lacunes. Ainsi, un autre homme succède à Mackinder et la complète. Il s'agit de Nicholas Pikeman, un Américain. Ce dernier intègre au calcul de Mackinder un facteur de développement de l'infrastructure. Et l'économie vient ainsi se mêler de géopolitique. Ainsi, oui, le contrôle du Heartland permet effectivement de dominer le monde. Mais le problème, c'est qu'à l'époque de Pikeman, ce Heartland se trouve entièrement aux mains des pires ennemis des États-Unis, et il s'agit du Péril Rouge, de l'URSS. Les socialistes. Spikeman se pose donc une question très simple. Comment faire en sorte que les Russes nous contrôlent l'île Monde et donc le monde? Eux qui disposent de vastes armées et d'une industrie lourde puissante. Bon, en fait, il est malin le mec, hein, parce que s'il a ajouté le facteur infrastructure, c'est pour pouvoir dire que les Russes ils sont trop pauvres pour pouvoir utiliser l'avantage qu'ils ont, le fait qu'ils contrôlent le Heartland, là. Comme ils n'ont pas les infrastructures pour l'exploiter, ça leur sert à rien. Ils sont trop cons. Ils sont vraiment trop bêtes, quoi. Et mec... Non ? Ah bon. D'accord. Eh bien, c'est très simple. En contrôlant une série de territoires névralgiques, point de passage obligé des armées venues du Heartland, des territoires qu'il appelle le Rimland. Et c'est ainsi qu'en s'interposant entre les Russes, qui contrôlent le Heartland, et les Anglais, qui contrôlent les océans, que les Américains pourront asseoir leur propre domination mondiale. Spikeman sera ainsi l'inspirateur de la stratégie du containment. Mais si, vous savez, cette doctrine américaine qui visait à établir des bases militaires, des alliés et des pays satellites dans une série de ces pays bien identifiés afin d'encercler la Russie. En effet, comparer une carte recoupant les bases militaires et zones d'intervention de l'armée américaine dans la seconde moitié du XXe siècle avec la carte du Rimland, conçue par Spikeman. C'est aussi là qu'il y a du pétrole. C'est pour ça qu'ils vont là. À part en Inde. Et au Vietnam. Et à Taïwan. Et en Allemagne de l'Ouest aussi. Puis en Italie, il n'y en a pas non plus. Puis... Ouais, ça va, c'est bon, j'ai compris. Et le Péril Rouge étant encerclé, les États-Unis ont désormais toute latitude pour étendre leur domination à toutes les mers du globe et à tous les pays du monde. De toute façon, ça fait depuis le traité de Washington en 1921 que leur marine est le plus grosse que la marine anglaise. Cependant, avec la Seconde Guerre mondiale et ses millions de morts, un vent d'humanisme souffle sur les vainqueurs de 1945. Et en Allemagne, comme un peu partout ailleurs, la géopolitique est montrée du doigt et pointée comme une des causes de la guerre. Elle est bannie des états-majors, rejetée par les universitaires et souffre d'années d'opprobre. Jusqu'à ce que, dans les années 70, un géographe français, Yves Lacoste, ne sorte un ouvrage sobrement baptisé La géographie, ça sert d'abord à faire la guerre. Ce titre lui aurait valu aujourd'hui le sympathique sobriquet de troll. Car il est bien évident que si l'humanité utilisa les cartes pour livrer des batailles dès leur invention, leur usage administratif et commercial apparut exactement à la même époque. Yves Lacoste critique en fait dans cet ouvrage l'enseignement de la géopolitique comme une discipline statique. C'est-à-dire ne rendant pas compte des évolutions politiques et militaires de son époque. Il défend l'idée de l'enseigner comme une discipline dynamique, rendant beaucoup mieux compte de changements économiques et politiques qui traversent le monde. Simultanément, il fonde la revue Hérodote et redonne ainsi ses lettres de noblesse à la géopolitique en France. L'étude géopolitique a cependant bien changé depuis Ratzel, Haushofer et Mackinder. Aujourd'hui, l'école française se focalise sur l'analyse des causes, des enjeux et des conséquences des conflits afin de servir de base analytique aux diplomates et aux ambassadeurs dans leur mission quotidienne. Lacoste définit donc la géopolitique comme l'étude des relations entre le politique et le territoire, les rivalités ou les tensions qui trouvent leur origine ou leur développement sur le territoire. Et au sein de l'école française, il aura de nombreux disciples comme Pascal Boniface ou Pascal Laureau. Alors bien sûr, les petits manuels de savoir-vivre à l'usage des rustres et des malpolis, comprendre par là nos dirigeants et leurs généraux, n'ont pas disparu. Aux États-Unis par exemple, deux thèses géopolitiques se conjuguent et s'affrontent dans la diplomatie américaine. La première, dont vous avez très certainement déjà entendu parler, est la thèse de Samuel Huntington, le choc des civilisations. Paru dans les années 1990 et remise au goût du jour par les événements du 11 septembre 2001. La seconde, tout aussi intéressante, si ce n'est plus, est celle de Zbigniew Brzezinski. Cet homme était conseiller aux affaires étrangères de l'administration Clinton et aujourd'hui de l'administration Obama. Elle est parue dans un petit livre qui s'appelle Le Grand Échiquier et qui est régulièrement remis au goût du jour. Nous aurons l'occasion de reparler de ces deux auteurs, mais cela se fera à l'occasion d'épisodes ultérieurs.
C'est donc la fin de cette première émission consacrée à faire une petite histoire de la géopolitique. J'espère qu'elle aura été aussi instructive pour vous à visionner qu'elle ne l'a été pour moi à réaliser. Si cette émission vous a plu, vous pouvez me laisser un petit commentaire, appuyer sur le pouce vert et vous abonner à la chaîne. Vous pouvez bien sûr également me retrouver sur Facebook. Et si vous souhaitez aller plus loin, je ne peux que vous orienter vers les liens de ma bibliographie et les ouvrages que j'ai pu utiliser pour réaliser cet épisode que vous trouverez dans la description de cette vidéo. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à la semaine prochaine, si vous voulez bien. Way we've always done before.